Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, et après on se fera deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne, allez c'est parti! Et donc du coup on se retrouve devant notre petit pack opening là, voilà donc vraiment petit pack opening, on va s'ouvrir les coffres, puis après comme j'ai dit on fera deux attaques, et puis après on ouvre le coffre à couronne, voilà donc alors on va commencer petit, hein, donc avec les coffres d'argent, voilà, donc d'habitude je commençais avec les coffres gratuits, mais je me suis dit à un moment, bon les coffres d'argent sont vraiment pourris à comparer aux coffres gratuits, donc vaut mieux commencer par les coffres d'argent, tu vois le délire un petit peu, parce que souvent on fait un petit peu crescendo, tu vois, de petit jusqu'à très grand, enfin... moyennement grand. Donc squelette, petit grand même. Voilà. C'est plus ça généralement. Donc squelette, ça passe, mais tour à bombe là par contre. Ah, c'est pas mon truc. Hein. Franchement, c'est pas mon truc. Donc 44 d'or. Je crois que j'avais eu 46 tout à l'heure, hein, si je me rappelle bien. Je sais plus, j'ai pas vraiment regardé. Donc 7 gobelins. Voilà. Oh, franchement, le dernier pack opening, donc celui de la dernière fois. Mais non, mais c'était un truc de malade. C'était un truc de fou, c'était même plus du pack opening, c'est même plus du troll opening, c'était pire que ça, c'était... Enfin bon, donc là ça fait plaisir, on a du gobelin à lance, la boule de feu, on va dire que ça passe, et après on a quoi? 46 d'or, oh 46 d'or, ça fait plaisir. Voilà, donc 3 canons, ouais c'est pas... Disons que y a mieux. Non mais du moment où c'est un bâtiment défensif, moi j'arrive pas à l'utiliser. Et puis les mortiers, ça dégage. Alors, coffre gratuit, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? 58 d'or, tu vois déjà, ça fait déjà un peu plus plaisir. Après, une Valkyrie, ça fait plaisir. Après, 7 chevaliers, ça fait plaisir aussi. Et puis bah voilà, donc du coup on continue. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que... Ouais, ouais, 63, mais alors là, mais c'est magnifique. Voilà, vous voyez là, ça c'est bon ça. Ça, c'est du pack opening. Bon, une cabane de gobelins, par contre. Voilà, voilà. Hein. Et puis, cette squelette. Et bah, voilà, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de squelette, d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Oh, bah, deux secondes. Ouais, j'ai encore un coffre à ouvrir, moi. Hein. Ouais, c'est parti. Alors. 156 d'or. Ça fait plaisir. Deux squelettes. Putain, mais dis, aujourd'hui, gentil avec les squelettes. Hein, ça fait plaisir. Trois mortiers. Ouais. 18 Tesla. Non. Et bah voilà, trois mousquetaires bah voilà, j'aurais préféré les archers, les archers par exemple, j'aurais préféré de la Valkyrie ou du cochon par exemple, hein. Mais bon, c'est pas mal, de la mousquetaire c'est déjà pas mal, franchement ça fait plaisir, c'est quand même une bonne troupe la mousquetaire. Hein. Alors juste, j'améliore pas d'autres troupes, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, j'essaye de monter que avec ce deck, tu vois. Par exemple, je vais changer, si jamais à un moment j'ai la princesse, je vais changer contre le sort de rage, par exemple, tu vois. Ou peut-être même les archers, hein, on sait pas. Non, mais je pense plus le sort de rage. Et en fait, le truc, c'est d'essayer de monter avec le même deck et changer le moins de troupes possible. Pourquoi? Ah, peut-être que les flèches, ils servent plus à rien, du coup. Ah, intéressant. Enfin bon, du coup, j'essaye de monter avec le même deck pour essayer d'être le plus puissant possible, mais avec le niveau le plus bas possible. Et ouais, non, c'est l'intelligence. Et donc, du coup... bah ça va être cool, donc la prochaine fois, je pense que la prochaine fois j'améliorerai les archers et on sera niveau 9, ça fera plaisir comme ça fera pas vraiment plaisir, parce que bon, si on a les archers niveau 10 et que on est niveau 8, c'est mieux, tu vois, enfin bon. Et donc du coup, bah, je vais avoir vraiment des bonnes troupes niveau, allez, je serai niveau 10, ouais, on va dire je serai niveau 10 et j'aurai des troupes maxées, tu vois, et donc du coup, forcément, ça fait plaisir, tu vois. C'est ça qui est bon, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça, je veux toujours avoir le même deck. Et comme ça, moi, je serai surpuissant avec un petit niveau. Ah, ça va être génial. Enfin bon. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais vous laisser sur ce. Et je vais vous dire à tout de suite pour les attaques. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On est contre Renegade, qui est niveau 8. C'est génial. Allez, bonne chance. Enfin bon, ouais, donc tout à l'heure j'étais contre un niveau 7, j'ai battu, mais bon, voilà. Après j'ai été contre un niveau 8 juste avant, j'ai eu une égalité, voilà. C'est chiant, hein. Non, mais voilà. Là, franchement, là ça sera une bonne attaque, c'est moi qui vous le dis. Là on fera une attaque. Là c'est sûr, c'est une attaque, tu vois. C'est pas. Tu vois, c'est une attaque. C'est oublié. Là, une attaque. Non, il faut que j'arrête de. Putain, mais franchement, je délire trop, c'est un truc de malade, c'est un truc malin, je m'arrête jamais. Ah oui. Bon, qu'est-ce que ça donne, toi?
T'as deux ou pas? Ouais, oh, tu peux le tuer, s'il te plaît. Oh, oh, putain. Oh, mais les gars, j'aurais dû mettre un sort de rage. Tu sais, c'est là où tu pleures, tu sais. Tu dis, putain, je suis trop con, moi. Bon, c'est là où tu pleures, tu vois. Tu te dis, putain, le sort de rage. Pourquoi je l'ai pas mis? Pourquoi? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire. Bah, ça va être très compliqué, on va faire ça. Voilà, et puis on va faire ça. T'as le démon, là. Là, t'as le deg, là. Allez, avoue-le, t'as le démon. T'as le démon. Uh-huh. Oui, t'as le démon, oui. Oui, t'as le démon, oui. Oui, mon petit Jean-Pierre, t'as le démon. Non, Renégade. Tu t'appelles Renégade. Alors, je parle pas extrêmement fort pour des petites raisons qui m'appartiennent. Ok, Mantei. Non, et cette fois-ci, il vient d'envoyer son sorcier. Il aurait pas dû. C'est le seul moyen qu'il a de pouvoir défendre. Du coup, on va le défoncer. Ben ouais, on va le défoncer. On va le défoncer. Ouais, le défoncer, c'est ça. Ouais, le défoncer, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. J'adore. Bon, normalement, il a une horde de gargouille. Ben voilà, parfait. Qu'est-ce que je fais, là? Eh ben, je lui explose sa horde de gargouille. Putain, il a plus d'un coup, mon gars. Je dis, mais c'est quoi, ce bruit? Mais c'est quoi, ce bruit? Putain, mais c'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Il a plus d'un coup. Il a plus d'un coup, mon gars. Putain, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, j'ai été surpris. J'ai dit, what? C'est pas ce que ce délire ça. Mais gros, c'est ça. J'ai une Valkyrie, gros. C'est ça. Regarde, je fais ça moi. Et ton truc, il est mort là, normalement. Normalement. Bon, c'est pas très grave. Ça arrive des fois, ça arrive. T'es quelque chose qui arrive, toi. À 10 fois, ça arrive, toi. Putain, j'ai trop le démon, du coup. Bon. Ok. Disons qu'on a des moyens d'y arriver, mais pas trop. Je sais pas quoi faire, les gars. Putain, je sais pas quoi faire, du. Dame, les gens. Oh. Oh. Arrête. Non. Non, mais ouais, ça c'est bon. Ouais, super combat. Bonne chance pour la suite, Mantei. Ça c'est bon ça. Dédicace à Renégade. C'est bon. Mais vas-y, casse-toi l'ordi. Ça c'est bon. Ça. Ouais, c'est parti les gars, on est contre un niveau 8. Ça fait plaisir. Bon, dans la première attaque, j'étais pas trop non plus... Enfin, tu m'as compris, quoi. Hein. Je pense que t'as vu la première attaque, non? T'as pas vu la première attaque? Tu as sauté la première... Tu as mis la deuxième direct? Oh, mais c'est pas bien. Je vais le dire à ta maman. Bon, je me fais un petit peu défoncer. Ça, tu le dis pas, par contre. Hein. Chut, c'est un secret entre nous, ok? Tu le dis pas, tu le dis à personne. Oui, donc, effectivement, je me fais un petit peu défoncer. Mais c'est pas très... Oh, la vie de mon machin, il est parti d'un coup. Ça a fait zzzzt. Ah, c'est trop génial. Tu vois, là, il croit qu'il... Il croit qu'il est en train de gagner, tu vois. Mais ce qu'il sait pas, c'est que j'étais juste pas prêt. J'avais pas les bonnes troupes pour contrer son truc, là. Forcément. Voilà. Mais là, maintenant, c'est fini, maintenant. Il y a plus d'histoire de... J'ai pas les bonnes troupes ou machin. Ça. C'est fini, ça. C'est l'histoire ancienne. Hein? Eh oui, c'est l'ancienne. Ancienne comme... Ancienne, c'est déjà bien, c'est... Voilà, c'est l'histoire ancienne, Mantei. Donc du coup, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la Valkyrie là. Je sais que c'est pas bien d'utiliser la Valkyrie pour s'en séparer, mais bon... J'avais pas trop le choix, finalement, tu vois, donc bon, qu'est-ce que je te dise, moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Molosse ici, et on va essayer de mettre les petites gargouilles. Ouais, petites gargouilles, ça fait plaisir. Et petites gargouilles, ça donne quoi? Ouais. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Oh là là là. Mais putain, mais j'ai dit que j'étais pas punch tout à l'heure là. Moi je recommence. T'as vu, je recommence de ouf quoi. C'est un truc de fou ça. Ouais, c'est parti les gars. Là on va le défoncer. Là franchement, là y'a plus aucune excuse. Entre nous, y'a plus aucune excuse. Là y'a plus d'excuse. Là, on défonce en zone chrono. Regardez-moi ça. Regardez. T'aimes bien utiliser des flèches pour rien, toi, hein. Mais bon, d'un côté, au moins, ça t'a servi, parce que, au moins... Mais bon, la tour de gauche, regardez la tour... Eh oui, l'intelligence, les gars. L'intelligence, la tour de gauche. Eh ouais, comme quoi, j'ai bien fait de mettre la Valkyrie. Hein? Bah oui. Bon, j'arrête les conneries. Faut que j'arrête d'aller dans l'aigu, comme ça, tout le temps. Mais c'est gros, mais non, ça sert... Attends que je pose des troupes. Sinon, ça ne fonctionne pas, mon petit, hein. Ça...
ça fonctionne pas sinon, c'est pas possible, tu vois. Enfin bon, c'est pas très grave, donc du coup ce qu'on va faire, on va mettre du sort de rage. Bah oui, hein, quitte à faire quelque chose, autant mettre du sort de rage. Et bah oui, on va pas non plus... Oh voilà, on va commencer à faire de la merde, hein. Mais regarde-moi ça, en plus il s'est loupé le petit. Il s'est loupé le petit. Ah bah oui, il s'est loupé le petit. Je t'avais dit que c'était juste un coup de chance dès le début parce que j'avais pas les bonnes troupes et tout. Et voilà. Mais ouais, le mec, mais bon... bah super combat gros hein, mais bon, bonne chance pour la suite mon gars. T'as bien commencé, mais moi je suis meilleur que toi, c'est tout. Ah, c'est génial. Ah, franchement, cette légendaire, le molosse de lave, une fois que vous l'avez prise en main, il y a des fois elle est facilement contrable, mais si vous gérez bien, vous arrivez quand même à l'utiliser bien comme il faut, tu vois. Et les 7 élixirs, elle les vaut largement quand vous l'utilisez bien comme il faut comme moi. Et franchement, ça fait plaisir, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Ah, franchement, moi. Ah là là, je te jure. Enfin bon, le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour le coffre à couronne, après deux attaques qui sont pas non plus exceptionnelles, mais qui sont plutôt pas mal, ça fait plaisir. Et donc du coup, moi, je vais vous dire tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti les gars, on va voir le coffre à couronne, t'es ouf. Je déconne, c'est bon. Oh. Allez, c'est parti les gars, on va ouvrir le coffre à couronne, attention. Ouais bon, on arrête. Le mec il part en musique, c'est... Ouais bon, c'est bon, nous on veut pas qu'opening, hein, casse pas les couilles. Hein. Bon, alors, plus de gemmes, on est à 338... On est à 438, les gars. Plus que 62 gemmes, et on est à 500. J'ai un peu l'esprit... L'esprit, c'est un fantôme, c'est... Il part un petit peu de partout. Enfin, l'esprit, c'est un fantôme. Le cerveau, c'est un fantôme, tu vois. Il est pas toujours là, tu vois. Il va faire peur les gens, tu vois. Il rentre même dans le jeu pour me casser les couilles avec le mortier. C'est génial. C'est génial. Bon, alors. Et bah voilà. Ah, je suis content, là. Ça s'entend pas, je suis trop content. Waouh, oh, c'est génial. Oh, une carte épique, les gars. Oh là, oh là 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 là. Oh, mais c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Putain, je te plais, quoi. Oh, une carte sorcière, quoi. Bon, ça va. J'ai pas eu de PK, j'ai pas à me plaindre. Comment il s'appelle, tu sais, le gros caillou, là. Enfin bon, j'ai pas eu le squelette géant, à la limite. Donc, ouais, c'est ça, c'est encore pire. Parce que, à la limite, la sorcière, je suis susceptible. Enfin, non, ça veut rien dire. Mais je suis dans la possibilité d'utiliser plus tard. Voilà, après, je dis ça comme ça. Donc, du coup, ça fait quand même un peu plaisir. J'aurais préféré une petite princesse. Bon, je l'aurais même pas eu, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut vite que j'arrive à Reine 9, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas eu de... Ça, en juin, je l'ai eu en juin, le molosse de lave. Donc, ça fait 2 mois que j'ai pas eu de... Légendaire, là, légendaire. Voilà. Ça fait 2 mois que j'en ai pas eu. Donc, du coup, j'aimerais bien voir la princesse et aller à Reine 7, la princesse. Donc, du coup, j'aimerais bien aller à Reine 7 pour la voir, tu vois. Enfin, bon, ça ferait plaisir. Ça c'est clair, ça serait un deck imbattable. Imbattable. Ah bah oui. Le mec, soit il met les flèches sur la princesse, soit sur la horde de gargouille, soit il attend que le molosse meure et boum, il met les flèches. Tu vois, il y a plein de possibilités, donc il y a toujours... Je le défonce, le mec, je le défonce. Enfin bon, ça ferait vraiment plaisir. Je pense que je l'échangerai contre les flèches finalement, parce que c'est vrai que les flèches, bon, au final, c'est pour tuer les hordes de gargouille, tu vois. Et avec elle, justement, la princesse, ça tue facilement les hordes de garouille. Tu vois le délire un petit peu? Ça serait magnifique. Et ça coûte la même élixir. C'est ça qui est bon! Désolé. Non, j'ai du mal à parler fort parce que bon, il y a des gens qui sont pas très loin là-bas. J'ai pas trop envie, tu vois. Voilà, moi je suis dans mon coin. Moi, je casse les couilles à personne. Hein. Non, mais voilà, je suis pas. Disons que je suis plutôt timide, hein, voilà, j'ai tout dit, voilà. Tu me connais maintenant, c'est génial, hein. Non, allez, j'arrête les conneries. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est juste vous montrer ce que j'ai. J'en ai pas besoin, voilà. Bon, donc du coup, moi, je vais essayer sur ce. On s'est fait un petit park opening, on s'est fait 2 petites attaques, et on s'est ouvert le petit coffre à couronne, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, je fais durer la vidéo 2 ans, c'est marrant. Ça rime, c'est génial. Enfin bon, et donc du coup, moi, je vais essayer sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.